Trois grandes priorités en Île-de-France. La première, c'est le développement dans le monde scolaire, parce que le rugby, en fait, est né à l'école. C'est le seul sport qui est né à l'école, et donc il y a, par définition, toute sa place. Et c'est pour ça que je buvais du petit lait en entendant Serge et Christophe en parler, parce que c'est vraiment la priorité numéro un. On doit réinvestir le monde scolaire. La deuxième priorité, c'est le rugby de mouvement, revenir à un rugby de mouvement, parce que c'est à la fois l'histoire et l'ADN du rugby français, et en même temps son futur. On a fait des sondages en Ile-de-France il y a 3 ans, on avait 70% des actions dans les écoles de rugby pour les techniciens qui étaient des rucks et des balls, versus la continuité du jeu, la passe. Et donc là, on a mis en place des nouvelles règles et on est en train de revenir à un rugby de mouvement qui est potentiel pour le rugby français. On a un troisième axe de développement principal qui est le rugby féminin, qui a un énorme potentiel de développement sur le rugby féminin. Et je sais que ces messieurs ont prévu de faire une équipe de rugby à 5, et donc par le biais de rugby à 5 et rugby sans choc, et sans plaquage, ils vont introduire un petit peu de rugby féminin aussi. Donc c'est parfait, il y a tous les ingrédients à l'aumont. Voilà pour les trois priorités. Merci beaucoup.